Oh, ça les amis, moi c'est Martin, comment ça va? Ouais, j'hésite à vous faire des galoches, alors là, attention, là, je suis vraiment dégoûté, quoi. Alors vraiment, je m'attendais à ma lune de miel. Ouais, ça fait 3 mois, on s'est rencontrés, on n'a pas fricoté encore. Alors normalement, je fais ça à la première seconde, je droit au but comme l'OM, quoi. Normalement, c'est, voilà, j'écarte les cuisses, ouais, droit au cul, on fait du cul, bim, bam, boum, le premier jour. Mais là, je sais pas, on était un peu dans la romance, ouais, on était tout furbeux. Ouais, on a attendu 3 mois, alors là, voilà, on arrive devant voilà, l'homme d'église, il nous a béni, il a fait pour le pire et pour le meilleur. Voilà, il a dit oui, mais déjà, on a senti ce petit regard vert, je crois d'y voir. Moi, j'ai dit oui, c'est trop tard. Parce que alors bon, on attendait la lune de miel avec des visions un peu différentes de la lune de miel. Alors je vous dirais, pour moi, ils ont un petit côté lune de ciel, je veux dire. C'est un petit peu c'est vraiment. Et encore le ciel, il m'a pas mis beaucoup, j'ai vraiment eu Seigneur dans le cul, quoi. Alors je vous explique le topo, les potos. Ouais, c'est carrément un pervers psycho. Ouais, il est vraiment narcisso-psycho. Ouais, alors je t'explique le concept. Alors bon, où je pensais qu'il allait dire Mademoiselle Martine, que votre fleur de lotus est jolie, pourrais-je l'entretenir avec quelques bûches, un petit peu attiser le tout, mettre mon concombre, faire flamber le tout, faire monter le tout dans la cheminée, ça ressort par les narines. Et là encore, je me laisse aller, hein. Mais je pensais qu'il allait faire bien les choses, me faire un petit poème sexuel, ou m'en laisser écrire un sur, assis sur mon cul, et faire, je pensais qu'il allait un petit peu penser à moi. Et alors là, je t'explique le concept. Alors, il y a un chronomètre, il a dit dans 3 minutes, on fait le sexe, tout le monde sera parti. Alors, t'écartes le cul. J'ai fait comment ça, j'écarte le cul. Ouais, je veux bien, mais c'est un peu dit crûment. Il fait, bon, j'écarte le cul et tu fermes ta gueule. J'ai fait, mais. Alors là, je me dis, ouais, peut-être qu'il aime le sexe un peu hard. Il dit ça pour m'exciter, tout ça. Alors là, il commence à me prendre il me prend le vagin par derrière, et tchic, et tchac. Ouais, tu me suis, c'est Martine. Alors là, il commence à me prendre, tchic, et tchac, dans le vagin, là. Je commence à faire des petits cris. Alors là, il fait, ça me fait l'œil, salope. Il me prend le coussin, il me plaque à la bouche. C'est limite, j'ai pu respirer, c'est presque étouffé. Ouais, j'ai cru encore là jusqu'à là, un micro-espoir que ce soit un jeu sexuel, mais alors c'était vraiment un archaïque, un animal, hein. Il supportait que le bruit de ses boules, alors il disait, tap, 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 il disait, ça c'est du bon bruit, c'est de la boule, costaud, costaud, du boule, la boule, la boule, la boule, c'est ma boule, c'est ma boule, c'est ma boule, c'était, comment dire, un peu, c'était une sorte de sauvage du lit, quoi. C'était un perversisso, narcisso, psycho, quoi. Non, tu comprends, ouais, Brenda, tu m'écoutes, non, ouais, c'est Martine, ouais, j'ai vu, t'as commencé à te connecter, attends, non. Après, elle me donnait, elle m'a dit, ça pas il a pas de coussin, il m'a dit, oh, je suis bruit, couine pas. En plus, la c'est bruit, j'ai le pire, Encore, j'aurais été en train de lui pisser dessus, j'aurais pu comprendre ça que c'est un petit jeu si j'étais en train de lui mouiller dessus en plus. Bon, ce qui est normal, quoi, sinon à quoi bon? Mais alors là, carrément, même pas, il me fait même pas avoir, du plaisir par le cul. Alors vraiment, il disait, laisse-moi entendre les boules. Toc, 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 ah ouais, ça c'est le bruit de la bonne boule, là. Ouais, je trempe dans la farine. Oh, là, bon, je commençais à dire, oh là là, j'ai dit oui pour le pire, et t'as dit meilleur. Et là, il me prend comme ça dans les bras,
Alors je me dis, il doit être un petit peu quand même romantique, hein. Je me dis, il va peut-être m'amener, voilà, quelque part, un endroit magique, vers un carrosse, on va aller vers la lune, compter les étoiles, moitié-moitié, on compte moitié des étoiles, moitié. Alors pas du tout, là, il me prend dans les bras, je me dis, on ressent un petit peu d'espoir, ça fait à gauche, à droite, à gauche, là, il me berce un peu. On va en forêt, peut-être qu'il a prévu, je sais pas, des fleurs, des trucs sanguinolents, un truc un peu romantico-gothico. Alors pas du tout, il me pose comme une merde dans la forêt, il me déligote, hein, parce qu'il m'avait ligoté, je trouvais ça sexy. Alors il me déligote, il me dit je t'ai laissé 2 minutes, tu as 2 minutes d'avance, tu cours, moi j'ai une sagaille. Alors là, je suis en train de courir, c'est vite ces vidéos. Alors j'ai jeté mon alliance, je l'ai enfoncé bien profond dans la terre. Alors là, j'ai mis une trappe. Ouais, j'ai mon petit cul comme ça qui gigote. Dès qu'il va arriver, ça va faire POUM! Ah ouais, non, c'est un animal.